dit oui. Alléluia. Oui, oui. L'église dit oui. L'église dit oui. Oh oui. Oh oui. Seigneur, l'église dit oui. Alléluia. Oui. Amen, dit oui. Alléluia. Oh oui. Oh oui. Seigneur. Amen, dit oui. Alléluia. Oui. Oui. Ceux qui sont à la technique, envoyez un grand retour pour le pasteur Grace Muto. Envoyez un grand retour. Et vous qui êtes dans les bancs, envoyez un grand amen. Et les choses vont marcher. Merci, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite à ton voisin bienvenue dans la maison du Seigneur. Et maintenant, regarde-le dans les yeux. Fais-lui un beau sourire. Dis-lui, tu es joli. Même s'il ne veut pas sourire, dis-lui seulement ça, tu verras, il va sourire. Dis-lui, tu es joli. Uko murembo kabisa. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana obariki kwa utajiri. Je suis encore dans la joie de vous revoir ce soir. Niko katika furaha kumiona tena imangaribi. Et surtout de venir pour communier ensemble avec ce merveilleux peuple de l'Éternel. Na sana sana kuya kushiriki pamoja na taifa ya damani ya milele. Mon merci va tout droit au Seigneur Jésus-Christ. Shukrani yangu nenda mara moja kwa Bwana Yesu Kristo. Lui qui a permis que je me tienne devant son peuple racheté. Yeye mwenye anaruhusu nishimame mbele ya taifa yake yenye kukombolewa. Je sais que je ne mérite pas me tenir ici. Na mzania si stahili kusimama hapa. Mais il a voulu que je sois là. Alakini aliruhusu nikuwe pale. Je lui dis merci Seigneur. Namwambia asante Bwana. Je dis merci à mon ami personnel. Nasema asante kwa rafiki yangu akipekee. Notre pasteur Joël. Pastor Yoeli. Il est habillé en matériaux durables. Très très bien habillé comme il prêche. Acha kuvala mzuri sa vile mtu kuna hubiri. Si tu veux savoir comment il prêche, si tu es visité. Kama uko mgeni na unapenda kujua vile anahubiriaka. Il prêche seulement comme il est habillé là. Anahubiriaka paka hivi anavala. Que Dieu le bénisse. Je pensais que ce croyant allait donner une acclamation. Na waza waaminifu wake walipasha kushangilia. Il faut être fier quand on parle du bien de votre pasteur. Inapasha kuwa na fieri wakati wanasema vizuri vya pastori wako. C'est un bon, il a un bon esprit. Ni mtu mzuri, yuko na roho mzuri. J'aime parce qu'il est comme ça. Namupendaka kwa sababu yeye ni mtu wa kunyoloka. Il montre ce qu'il a dans le cœur. Ça c'est bon. Anaoneshaka kile iko nacho muro. S'il ne veut pas, il te fait sentir qu'il ne veut pas. Kama shipende kitu atakuonesha hiki hapana. Merci pasteur. Aksanti pastori. J'étais très loin, je n'étais même pas au pays. Nilikuwa mbali, sikukuwa hata mu hii nchi. Je suis arrivé un mardi. Nilifika mkazi mbili. Et mercredi, je pris le vol pour venir ici. Na mkazi tatu nikachukua ndege jua kuya hapa Kolwezi. C'est vraiment les efforts. Ni manguvu kabisa. C'est parce que je vous aime. Ni kwa sababu nawapenda. C'est comme je disais à Papa Mbunda. Iko kama vile vinaanza kuonesha Papa Mbunda. Si peut-être ce n'était pas Pasteur Joël, je n'allais pas venir. Kama ikukua Pasteur Joël, singekuja.
Parce que déjà la semaine du lundi, le mercredi au sublime, nous fêtons aussi notre anniversaire de 4 ans. Alors, quand le passé m'a appelé, j'ai compris que la fête commence ici. Et on part achever au sublime. Na wakati pastor anita nikaelewa kwamba karamu tunaanzia hiyo hapa tunaenda kuimaliza kwa Kinshasa. Je vous demande. Na wasi. Que les années qui viennent. Miaka itakayokuja kesho. On va commencer à jumeler nos fêtes. Tutaanza sasa kuchanga ile makaramu yetu. Parce que ici vous fêtez 3 ans. Hapa mnasherekea miaka 3. Vous aviez commencé au mois de septembre. Mulianza mwezi ya 9. Au sublime on fête aussi 4 ans. Na ku sublime tunasherekea miaka 4. On avait aussi commencé au mois de septembre. Na sio tulianza ku mwezi wa 9. Ici le 6, là-bas le 15. Kule hapa ni le 6, kule ni le 15. Alors qu'est-ce qu'on va commencer à faire prochainement? Sasa tutaanza kufanya nini baadaye? On vient ici, on fête. Tunakuja hapa tunasherekea. On finit dimanche. Tunamaliza muyenga. Lundi on prend les avions. Kesha mukazi moyo tunabeba ndeke shibawiri. Je sais pas si vous comprenez. Ninawaza mnaelewa. Avec tous ceux qui aimeront être dans notre dio là. Na bale benye batapenda kutusindikiza bale. On prend l'avion et on part, on continue encore au sublime. Na tunaendelea sasa na makaramu kule ku sublime. C'est ce que je lui ai dit. Ndio kile nilimwambia. Et lui aussi avait ça en pensée. Na yeye alikuwa nayo mu mawazo. Donc tutabianza muna kwa mu prochainement. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mes salutations aux anciens qui sont ici. Acclamons pour les anciens. Salamu yangu kwa wazee wote wako hapa tuwashangilie. Respect aux anciens. Heshima kwa wazee. J'aime respecter les anciens. Napenda kuheshimia sana wazee. Si elle n'avait pas prêché, peut-être je serais pasteur de Kahumba. Na kama bo abakubiri, mali ngine minipasha kwa pastor wa Mumalemba na Karumba. Parfois je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Malingine sikupashe kuwa iki niko leo. Faut respecter les anciens. Napasha kuheshimia wazee. Amen. Amen. Mais que les anciens ne nous brisent pas aussi nous les jeunes. Wazee nao wasizarau watoto. J'ai tout dit. Mina sema biote. J'ai vu un frère de sublime ici. Niliona nduku moyo wa kusublime hapa. Alors je voudrais qu'il se tienne debout, on va les saluer. Napenda na yasimame yulu tumsalimie. Que Dieu te bénisse mon fils. Ngwa kubariki. Lui c'est le frère Junior. Ye ni ndugu Junior. Chaque fois que mes croyants me disent on part à Colosie, je leur ai toujours donné une seule adresse. Wakati waminifu wangu wananiambiaka tunenda Kolwezi na bapatiaka paka anwani moja. J'ai mon église là-bas à Kolwezi. Na bambiaka kwamba niko na kanisa langu Kolwezi. L'église de 3 lettres. Kanisa ya manjina tatu. 3 lettres. Ma erufu tatu. Amen. C'est combien de lettres? 4. L'église de 4 lettres. Kanisa ya maerufu ine. Et puis je vois ma maman là-bas. Mama, tiens-toi debout, on va te saluer. Na wana mama yangu pale simama tutakusalimia. Elle aussi vient de Kinshasa. Na yeye anatoka Kinshasa. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Alors nous allons nous tenir debout. Tutasimama yolo. Samuel, le chapitre 2, au verset 8. Tabu kia kwanza kia Samuel, sura ya pili, mstari wa munane. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Qu'est-ce que je peux te dire si ce n'est de supplier pour que tu viennes? S'il te plaît, il n'y a que toi qui puisses faire quelque chose. Si tu ne viens pas ici, je suis foutu. Tu sais, Seigneur, ce peuple est venu pour toi. Pas pour voir un homme ni un habillement. Alors que mon âme, mon corps ne compte que sur toi. Brise le pain pour nous. Assiste-nous au nom de Jésus-Christ. Accorde le Père bien-aimé. Amen. Veuillez vous asseoir. On m'a informé que l'ancien Anaclet Mbunda
quand il a prêché ici aujourd'hui avant moi, fait même le service de l'imposition des mains pour le Saint-Esprit. Alifanya na kazi ya ubati ya kuwekeana mikono. Il a prié pour tout pour le Saint-Esprit. Aliombea watu wote ndio ubatizo wa Roho Mtakatifu. Donc je crois qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit aujourd'hui. Naamini ya kwamba kuko kumwangika wa Roho Mtakatifu leo. Je suis sûr et certain que tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Na niko na hakika kwamba kila mtu anapata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Dieu voisin, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Ambia jirani ya kwamba kulikuwa kumwangika kwa Roho Mtakatifu hapa. Quand j'ai appris qu'il a fait ce service là, wakati nilisikia kwamba alifanya ile kazi, j'étais content. Nilikuwa na furaha. Et j'ai compris que le Saint-Esprit a conduit les choses. Na nikaelewa kwamba Roho Mtakatifu aliongoza vitu. Comme il y a eu effusion, vile kulikuwa kumwangika, je vais parler sur ntasemea pa Fandler après l'effusion. Fandler kisha kumwangika. Dites-le à haute voix, Fandler. Fandler après l'effusion. Kisha kumwangika. Dis-le, ne fais pas de fierté. Dis seulement à haute voix. Oui, c'est maintenant la sauti en nguvu. Après l'effusion. L'effusion. C'est ça sur lequel on va parler. Semeya. Comme il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Vile kulikuwa kumwangika kwa Roho Mtakatifu. Alors, comme c'est la dernière réunion pour clôturer cette série de réunions. Sa vile ni ibada ya mwisho njoo kumaliza hii makutano. Pour votre troisième anniversaire. Ne juu ya hii mwaka yenu ya tatu. Pour achever avec Fandler après l'effusion. Na kuya kumalizia na Fandler kisha kumwangika kwa damu. Alors, dans le livre de Luc chapitre 13 au verset 6. Mukitabu kya Luka sura 13 mstari wa 6. Écoute ce que dit la Bible. Sikia kile Biblia inasema. J'ose croire ce soir il y aura pas enseignement comme nous l'avions fait hier tous les jours. Naamini kwamba hii magharibi hakutakuwa mafundisho vile tulifanya jana na maima siku. Nous venons pour coiffer nos réunions et on sort dans le jubilé. Tunakuwa njoo kutia taji makutano yetu na tunatoka na jubilé. Ma Bible dit. Biblia yangu inasema. Il dit aussi cette parabole. Akasema tena imafumbo. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Mtu moya alikuwa na mzeituni wake yenye alipanda mshamba. Il vint pour y chercher du fruit. Alikuya njoo kutafuta matunda. Et il n'en trouva point. Lakini asikupate tunda hata moja. Un homme avait planté sa vigne. Mtu fulani alipanda vinyo yake. Il vint pour y chercher du fruit. Alikuya njoo kutafuta tunda kwa ile mti. Il avait faim, il s'est rapproché du figuier. Na akazogea karibu na mti ya mzeituni. Il voulait trouver à manger à son endroit d'espoir. Alipenda pate ko chakula kwa ile fasi yake ya tegemeo. Malheureusement pour lui, ole kwake, il n'en trouva point. Asikupate tunda. Écoute le verset 7. Sikia mstari wa 7. Alors il dit au vigneron. Kisha akambia mwenye kupanda vinyo. Voilà 3 ans. Ona, que je viens chercher du fruit à ce figuier. Ona kuna kwa miaka 3 niko na kwa kutafuta tunda la mzeituni kwa hii mti. No, ne faites pas 5 ans ici. Shia tufanye atusherekee miaka 5. Nous fêtons pour combien d'années? Tuko na sherekea miaka ngapi? 3 ans. Miaka 3. Ici l'homme dit aussi. Hapa ule mwana anasema. Voilà 3 ans. Ona miaka 3. Que je viens chercher du fruit à ce figuier. Niko na kwa kutafuta tunda kwa hii mzeituni. Et je n'en trouve point. Na siipate paka. Alors comme je ne trouve pas toujours du fruit à ce figuier. Vile mishipate paka tunda kwa hii mzeituni. Comme ça fait 3 ans je ne trouve pas ce que je cherche. Vile kuna kwa miaka 3 sipate kila ambayo natafuta. L'homme prend une décision rapide. Kisha ule bwana akachukua maamuzi ya haraka. Écoute ce qu'il dit. Sikia kila anasema. Coupe-le. Uikate. Coupe-le l'arbre ici. Ukate hii mti. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Juu ya nini yoi kunachukua tu bulongo kwa bure haifai kazi?
Trois ans déjà. Miaka tatu inenea. Cet arbre ne donne pas les fruits. I mucha itoe matunda. Il ne répond pas aux attentes. Yo aijibu kuile machungio. Alors je trouve qu'il occupe la terre inutilement. Minona aina na kazi muishamba. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tunapasha kufanya nini? Il faut couper cet arbre. Tunapasha kuikata hii muti. Frère Branham dit. Tuko Branham anasema. Une écriture peut avoir plusieurs applications. Andiko moyo inaweza kuwa na kutiliwa mala mingi. Ce soir je vais prendre cette écriture pour une autre application. Hii magharibi nachukua hii maandiko ndio kuitia mnamuna ingine. Cet arbre ça fait 3 ans. Ile muti kuna kwa miaka 3. Je vais devant et viens. Je viens le matin, je viens le soir. Cet arbre ne donne pas ce qu'il faut donner. Il occupe inutilement la terre. Aina na kazi mumu mshamba. Il faut le couper. Tunapasha kuikata. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire. Il y a beaucoup d'arbres qu'il faut couper. Kuko miti mingi tunapasha kukata. Ça fait 3 ans que tu as cru le message. 3 ans que tu es à Amen Tabernacle. Miaka 3 uko Amen Maskani. 3 ans que tu travailles. Miaka 3 unatumika. Mais ton boulot ne donne pas de résultats satisfaisants. Lakini kazi yako ailete matokeo ya kutosheka. L'heure est arrivée. Wakati imetimia. On doit couper cet arbre là. Tunapaswa kukata ile muti. Qu'est-ce que je veux dire? Napenda kusema nini? On doit couper cette ressource qui ne satisfait pas. Tunapaswa kukata ile mchoche mchemu ila itoshe mapua. Toko Branham anasema. Il y a un moment où il faut s'arrêter. Kuko wakati ndio unapaswa kushimama. Et dire trop c'est trop. Na kusema binapita. J'ai longtemps supporté. Mina vumilia sana. J'ai longtemps accepté. Mina ichika sana. Mais à la troisième année on prend une décision. Mwaka ya tatu tunachukua maamuzi. Je vais écouter un amen. Napenda kusikia amina. Je vais prêcher aux gens qui peuvent être révoltés. Mina penda kubiri batu bale banaweza kutomboka. Je ne suis pas venu prêcher pour ceux qui sont patients. Mishi kuya kubiri bale beko ba. Ce soir, je n'ai pas besoin de la patience. Ce soir, on doit couper. Ce soir, c'est la troisième année. Ce qui me réjouit, ce n'est pas la deuxième année, aina mwaka ya pili, mais c'est la troisième année. Alakini ni mwaka ya tatu. Et à la troisième année, on prend une décision. Na mwaka ya tatu tunachukua maamuzi. Dans la nature, mukiasili, naturellement, mukiasili, un enfant de 3 ans, mtoto wa miaka 3, il commence déjà à mettre les pas. Anaanza kutembea. La science dit. Kisiasa kinasema. Un enfant de 3 ans. Mwatoto wa miaka 3. Il peut même soulever son pied. Anaweza kulamusha ta mkulu. Et se tenir justement sur un seul pied. Na kushimama na mkulu moja. C'est ce que la science dit. Njoo kile kisiasa kinasema. Ça veut dire cet enfant a de l'équilibre. Ni kusema le mtoto kuna msimamo. Ka 3 ans ya l'équilibre. Mu miaka 3 kuna posha kwa msimamo. Si pas l'équilibre. Kama kuna msimamo. Ça ne va pas. Kuko kitu ambaye kiendeke. Ce soir au nom de Jésus. Hii mangaribi mchina la Yesu. Priki yeye l'équilibre. Naomba kukue musimamo. Qu'est-ce qu'on appelle équilibre? Nini tunaita musimamo? C'est la stabilité. Ni ustare. Ce n'est pas être dépendant. Aina mutu wa kuangaria kufata batu mingine. C'est être autonome. Ni ukua mutu mwenye anajisimamia na buzito yake. Suffisant. Anajitosheka kubuzito yake. Frère et mes soeurs. Nduku na dada. L'heure est arrivée. Wakati metimia. On doit regarder l'arbre. Tunapaswa kuangalia muti. Et dire à cet arbre. Na kuambia ile muti. C'est la troisième année. Ni mwaka ya tatu. Soit tu donnes les fruits. Au unaleta matunda. Soit je te coupe. Au mina kukata. Oh, est-ce que tu comprends ce que je dis? Et tu ne l'as qu'il en a sema? Il y a des petits travaux qu'on doit supprimer. Pour que tu m'accasses, tu dois que tu n'as pas besoin que tu aches. Il y a des petits travaux, des petites activités qu'on doit supprimer. Pour que tu m'accasses, tu dois que tu n'as pas besoin que tu catala. Je prêche aux hommes révoltés. Mais na ubiri bantu makutomboka. Si tu es venu pour être plus patient. Kama wewe bali kuzala juu kwa utulivu sana. Prends ta Bible, laissez-nous la place. Bebelea Biblia yako utachie fashi. Ce soir je prêche aux décideurs. Hapa na ubiri batu wanachukua maamuzi. Les gens qui doivent prendre une décision. Batu bali wanapaswa kuchukua maamuzi. Et regardez le vigneron. Na kuangalia mwenye kupanda muti. Regardez le pasteur. Kuangalia pastori. Dis papa Joël. Kumwambia papa Joël. C'est la troisième année. Ni mwaka ya tatu. Je ne peux pas être de la même manière.
manière. Manger, je dois demander. Kula, ne pas kulomba. Revêtir, je dois demander. Kufuala, ni lombe. À la troisième année, c'est la décision. Ya tatu ni maamuzi. Tu au voisin. Ambia jirani. Salut le voisin, salut le. Umusalimie. Usalimie jirani. Troisième année. Umwambie mwaka wa tatu. C'est la décision. Ni maamuzi. Et quelqu'un m'envoie un grand amen. Montoni et Tommy amène un goufou. Dites alléluia. C'est alléluia. Dites gloire à Dieu. C'est ma tukufu kwa Mungu. Je vais poser une question. Napenda kuuliza. Pourquoi cet homme a décidé qu'on coupe cet arbre de 3 ans? Tu as nini ubwana na beba maamuzi bakate mucha miaka 3. Qui veut avoir la réponse? Nanya anapenda kuwa na jibu. Alléluia. Nanomkono. Nanomkono. Pourquoi il a décidé qu'on a coupe? C'est parce qu'il a constaté anaona, jusqu'à 3 ans l'arbre n'évoluait pas. Miaka tatu, mucha yendele. Jusqu'à 3 ans miaka nene ya tatu, l'arbre n'évoluait pas. Mucha yendele. Donc quand il n'y a pas évolution, kama kuna maendeleo, il faut prendre une décision. Tunapasha kuchukua maamuzi. Dile un peu, je dois évoluer. Sema inapasha kuendelea. Je vais te lire une citation qui va t'énerver. Takusomea andiko ile takusirikisa. Jusque là j'excite ta jalousie et ta colère sainte pour que tu arrives à prendre une décision. Tina hapa na lamusha kasirani yako takatifu tu uchukue maamuzi. Une robe d'occasion. Kanjo ya nkombo. Prêcher le 25 11e mois 56. Yenye bana ubiri le tare. Au point 62. Frère me dit ceci. Si jamais il y a eu un temps où on a besoin d'une double portion, c'est aujourd'hui parmi les gens. Ni leo katikati ya watu. Angel Chanzamuleza donc double portion. Bipande biwili. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Aujourd'hui parmi les gens, quelque chose de meilleur. Kintu kya damani. Aujourd'hui, il nous faut quelque chose de comment de meilleur. Leo inatubidi kintu kia damani. Quelque chose de plus élevé. Kintu kia ju kabisa. Je écoute, je pense que les haricots et les pains de maïs c'est très bien. Na waza malaki na mikate ya mindi ni mzuri. Manger le maïs. Kula mindi. Pour nous ici le chilungalunga. Kurie huku matembele. Le sombe. Nakuria konsombe. C'est très bien. Ni mzuri. C'est très bien. Nsampu sampu nyumvadi vadi. Ni mzuri. C'est très bien. Bile biote ni mzuri. Mais fwe bana midi. Sasa ndugu bana mama nasema. Mais parfois. Mala ingine. Je dois tendre la main un peu plus haut. Na pesa kunyolosha mkono yulu kabisa. Pas seulement les voies tous les jours. Non, non, non. À un moment, tendre la main un peu plus haut. A pas de sombre qui la chicou. A la kini, on a ordonné comme kono yulu kabisa. Il y a des gens dans ce message. Tuko bantu mu yulu chumbe. Capable d'entrer dans un supermarché. A pas de naweza kungia mu supermarché. Là-bas, c'est trop cher. Pale meko bei sana. Là-bas, c'est pour des gens comme tel. Moulem di bantu ba fulani. Les gens là, ils ont combien de têtes? Bale bantu biko na bichwa ngapi? Ils ont combien de bras? Beko na mikono ngapi? Ils ont la même tête comme toi. Beko na kichwa kimoya sa yako. Un frère lui, il est toujours ordinaire. Nduku ye ni paka wa kiasili wa chini chini. Frère Branham dit. Nduku Branham anasema. Le septième sort. Mouru wa saba. C'est pour des grands hommes. Ni juu ya bantu bakubwa. Ce soir, je veux qu'on puisse tendre la main un peu plus haut. Imagaribi tajalosha tena mukono yulu kabisa. Dans l'habillement, un peu plus haut. Mukuvuala yulu kabisa. Dans des maisons, un peu plus haut. Mumanyumba yulu kabisa. Est-ce que je peux avancer? Et tu n'es kusonga mbele. Est-ce que je peux avancer? N'es kusonga mbele. Dans des mariages, mumandoa yulu kabisa. Non, pasteur. Apana pastori. Consacre-nous seulement dans le bureau. Oye, ou tombe tout mon bureau. Parce que vous voyez, la crise est beaucoup. Makuta ina ako tout a fait une fête. D'ailleurs, il dit non, non, vous, on n'aime pas les tapages. Si tu peines bantu matuyue sana. Nous aimons la simplicité. Si tu n'apende unyenyekevu. Or, ce n'est pas la simplicité. Aina unyenyekevu. C'est la peur. Ni boka. Et c'est la pauvreté. Nani umasikini. Au nom de Jésus-Christ. Mochina la Yesu Kristo. Ce soir. Imangaribi. Un peu plus haut. Pandi
kisha ko yulu. Est-ce que tu peux répéter après moi? Et tu ne sais que kisha mie. Un peu plus haut. Panda ko yulu kidoko. Non, tu, ce soir même si tu ne veux pas, tu vas évoluer de force. I mangaribi ataka ma upende. Utafanya maendeleo ku nguvu. On va te faire évoluer par force. Utafanya maendeleo. Branham dit. Branham anasema. Nous devons continuer à monter. Tunapasha kuendelea na kupanda. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va monter avec moi ce soir? Et chikuko mtu la tapanda na mimi mangaribi. Écoute, je lis la phrase qui va te faire du mal. Tasoma andiko ile takufandi mubaya. Israël, Israeli rétrogradé s'il faisait du surplace. Alianza kurudi kinyume wakati alianza kushunguruka fashi moya. Ah, tu n'as pas compris. Au yaelewa. Branham dit quand Israël. Branham anasema wakati Israeli n'évoluait pas. Ashikuanza kusonga mbele. Quand il faisait du surplace. Wakati anaanza kushunguruka fashi moya. C'est ça rétrograder. Njoo kurudi kinyume kule. No, on a beaucoup de rétrograde. Tuko na ba mingi basha kurudi kinyume. Il part à l'église tous les jours. Anaenda kukanisa kila siku. Il met l'offrande. Anaweka sadaka. Mais un rétrograde. Lakini alisharudi kinyume. Aussi longtemps que tu n'évolues pas. Wakati yote uendelee. Tu y es qui? Uko nani mwenye kurudi kinyume 2008 cabine publique 2008 ulianza kushama inite 2015 cabine publique 2015 mainite 2020 cabine publique 2020 unusha paka mainite 2023 cabine publique 2023 paka mainite moyo moyo hii cabine qui n'évolue même pas na ile mainite aipandake c'est toujours au coin de l'avenue ni paka mukadiku mukadiku tu y es un rétrograde ulisha kurudi kinyume nous avons besoin des hommes et des femmes tunahitaji wanaume na wanawake qui peut commencer avec une cabine publique pale banaweza kuanza kushusha mbele mainite à un moment wakati moya hivi on va le shop tunaona shop on va vendre des téléphones tunaona ma telefoni inaingia il commence à partir en Inde anaanza kwenda ku Dubai c'est ça l'évolution ndio maendeleo ile no de Jesus Christ mchina la Yesu Kristo évoluer endelea quand vous ne faites que du sur place vous êtes rétrograde wakati kuna shunguruka paka fashi moya uko mwenye kurudi kinyume. On vous a donné le rapport de l'église avant que je ne monte ici. Balianza kumipatia report ya kanisa kabla ni pande. Il a commencé avec 10 personnes. Na bantu 10. À un moment c'était 30. Wakati mwe barakoa 13. C'était 100. Wakati mwe barakoa 100. Aujourd'hui. Leo hii. Ce n'est plus 300 personnes. Aina tena bantu 300. C'est au-delà de 300. Balisha pita 300. Ça veut dire qu'il a évolué dans son ministère. Ni kusema anaendelea mhutuma yake. Vous n'êtes pas un rétrograde. Auna mwenye kurudi kinyume. C'est ce que Branham fait. Njo kile Branham anafanya. Branham dit. Ndoko Branham anasema. Demande-moi Uniuliza msuri Ntuku Branham anasema Je ne crois pas à un pasteur Mishi amini pastori Qui n'a pas l'ambition d'évoluer Ula ana na nia ya kuendelea Branham dit Branham anasema Je crois à un pasteur Na amini ntanya pastori Qui a l'ambition d'évoluer année après année Anapenda kuendelea mwake kisha ingine Au nom de Jesus Christ Mochina la Yesu Christo Amen tabernacle Amen maskani Grandissez de droite et de gauche. Komeyeni kushoto kwenda kuume. Enlevez les bornes. Mutoshe ile mamipaka. Étendez-vous de tous les côtés. Mujinyoloshe mungambo yoyote. Dis encore au voisin. Ambia tena jirani. Attention si tu es rétrograde. Fanya angalisho. Kama uko mwenye kurudi kinyume. Nous avons des pères. Tuko na bantu ya boka. Même pour acheter un habit meilleur à sa femme, c'est un problème. Atoja kuja bibi yake tu nguo ya mzuri ni matatizo. C'est un problème. Il matatizo. Habiller sa femme correctement, un problème. Kufalisha tu bibi yake mzuri ni mambo. C'est toujours moi qui ngwa nyanyi kwa takaje. Bamba mbele. Tu mwa bana wanyi. Vala mzuri malu nyi bilengele. Vala mbele. Nyi bilengele tu tuku. Kai. Vala mbele mambo itatengamana mita kujiaka. Bitatengamana kashiku kandi. La Bible dit. Inasema, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, kile mnapaswa kufanya leo, ne le ramenez pas à demain. Usikirudishe kesho. Que le Dieu de Branham, Mungu wa Branham, vous fasse évoluer. Akuendeleshe. Envoie-moi un amen voluminé. Monetumia amen ya nguvu.
Quand on n'évolue pas, on est rétrograde. Wakati uendelee huku narudi kinyume. L'infaillibilité de la parole parlait de Dieu. Kukosa kushindo kwa nini na kustena ya Mungu. Au point 5. Haya ya 5. Prêchez le 4:4-56. Ye bana ubiri le tare. Branham dit. Branham anasema. Les oiseaux ne changent pas. Mandeka ibadilikake. Dis-le au voisin. Les oiseaux ne changent pas. Bandeka babadilikake. Branham dit, vous savez, Branham anasema munajua. Les oiseaux construisent toujours leur nid exactement comme ils le faisaient dans le jardin d'Eden. Paka vile banatungaka kisangala. Paka vile banaza kufanya mu bustani ya Edeni. Les oiseaux, mandeke, ils construisent leur nid. Beko na tunga kisangala yabo. Exactement comme ils le faisaient où? Dans le jardin d'Eden. Paka vile balaanza kufanya mu bustani ya Edeni pale bali baumbaka. Tu ne verras pas un oiseau qui construit un nid à étage. Autaona ndeke anafanya kisangala kya yulu. Son nid a toujours une petite porte comme ça. Kaki sangala kiko pana kamulango kadoko hivi. Un studio. Ka studio. Il n'y a pas de chambre à l'intérieur. Akuna chumba chingine cha kulali. Comme il le faisait dans les jardins d'Eden, c'est comme ça qu'il le fait même aujourd'hui. Vila balaza kufanya mubustani ya Eden, njo vila banafanya na leo tena. Et nous avons beaucoup de frères oiseaux. Na tuku na banduku ba mingi mandeke. Lui il est là. Yeko paka pale. Kango mina kapenda. Ah, j'aime beaucoup cette maison ici. C'est pour mieux wake and paint. Vraiment ka nyumba vraiment. Mi sipenda ta kukacha ka nyumba. Ce qu'il dit que mina kapenda sana wan. Un petit truc comme ça. Ka kitu kaloko hivi. Uko nani? Nduku ndeke. Frère Kanyuni. Ceux qui vivent dans des grandes maisons là. Bale peko naishi mu manyumba minene bale. Ils ont combien de têtes? Bako na mabichi wangapi? Et vous voyez un jour le bailleur qui vient. Unaona siku moja mwenye mpango anakuja. À l'occasion de rien, il les chasse dans la maison. Anakuja anamtosha mnyumba. Toka. Il vient même nous donner une requête, prier pour moi. Anakuwa kuleta hapa hitaji. Bailleur est compliqué ces derniers temps. Bailleur wangu anataka nitoshe kunyumba mniombe yeye. On doit prier pour ton studio là. Si tu kuombea tu kale kanyumba kako ka kidogo kale. Ce soir. Il mangaribi. Ayez de grandes ambitions. Mkuwe na mania mikubwa. Frère Branham dit. Ndoko Branham anasema. Il n'y a que les oiseaux qui ne changent pas. Ni paka mandeke njo ibadilikake. Branham dit il ne change point. Branham anasema babadilike. Voyez. Oneni. Mais. Alakini. C'est nous les humains qui changeons. Si les bantu njo tunapasha kubadilika. Mais si toi tu ne veux pas changer tu y es qui? Kama wewe upende kubadilika uko nani? Frère Wazo. Nduku ndeke. Mais il est trop spirituel. Alakini ye mambo ya kiro. Anapenda sana. Je vais vous lire des citations qui vont vous faire du mal. Ntamisomea maandiko itakufanya mubaya. Compte à rebours 32. Hesabu kurudi kinyume 32. Papa la technique projection inakatana ni mambo gani? Envoie ça compte à rebours 32. Usomi kurudi kinyume 32. Écoute toi les vrais spirituels. We mwana wa kiro sana, sikia mzuri. Non, comment il peut parler des choses de matériel comme ça? Na mwana kanyale kusema bintu bya makuta. Au moment où on nous a parlé du Saint-Esprit. Si bana tuambia hapa mambo ya Roho Mtakatifu busubuhi. Il vient avec des choses naturelles, des matériels. Ya na materialiste huko ma. Oh, grâce anapendaka ye bintu sana. Vrai spirituel, écoute ça, vrai spirituel. Nduku wa kiro, sikia. Et ser spirituel plus que Branham. Écoute ça. Nduku wa kiro kupita Branham, mushikie huku. Branham dit. Branham anasema. Eh bien. Mzuri. Quelque chose. Kintu fulani. Comme une vie spirituelle. Kama vile maisha ya kiro. Le spirituel, levez la main. Levez la main. Ba kiro mweke mikono yulu. Je suis spirituel, je lève la main. Nami, mweke mikono yulu. Unaanza kukimbia, huku spirituel. Branham dit. Branham anasema. Quelque chose comme une vie spirituelle. Kintu kama vile maisha ya kiro. Quand cela entre dans la vie naturelle, wakati unaingia mu maisha ya kiasili, cela améliore celle-ci. Hii itatengeneza hii maisha ya mwili. Branham dit quand la vie spirituelle, Branham anasema wakati maisha ya kiro, entre dans ta vie naturelle physique, inaingia mu maisha yako ya kimwili. La vie spirituelle améliore la vie physique. Maisha ya kiro inatengeneza maisha ya mwili. Branham dit. Branham anasema
Cela vous met dans une condition meilleure que celle où vous étiez dans la vie naturelle. Il a une muhali mzuri kupita ile ilikuwa nayo maisha ya kimwili. Napenda kushikia amen kubwa. Qu'est-ce que la vie spirituelle? Maisha ya kiroho nini? C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Pour que tu comprennes ça. Tu uelewe mzuri. Le Saint-Esprit. Wakati Roho Mtakatifu entre dans ta vie naturelle. Inaingia mu maisha yako ya binadamu. Ça doit améliorer ta vie naturelle. Inapaswa kutengeneza maisha yako ya kimwili. Ça te met dans de meilleures conditions. Itakuweka mu mahali mzuri. Plus que avant que tu n'aies le Saint-Esprit. Kupita pokati vile kabla uko na Roho Mtakatifu. Ni kusema tu n'avais pas le Saint-Esprit. Wakati uko na Roho Mtakatifu. Tu dépendais des hommes. Ulianza kufuata watu ku Kongo. Tu venais à l'église à pied. Unakuwa ku kanisa ku mikulu. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit. Wakati unapata Roho Mtakatifu. Ça te met dans de meilleures conditions. Itakuweka mu mahali mzuri. Est-ce que vous continuez à croire? Et tu m'endelea na kuamini? Qui ont d'abord compris la citation? Bana bangapi manelewa andiko? Si tu n'appelles pas Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, mais pour aller chez toi, tu demandes l'argent à celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Ulana na Roho Mtakatifu. Oh, wewe una Roho Mtakatifu, unalomba mtu ce genre de Saint-Esprit. Unakalomba mtu ulana nayo, uniripie kwa balabala, uniripie kwa moto. Un Saint-Esprit incapable de changer ma condition. Roho Mtakatifu haina na uwezo ya kunipa makuta. Je dois vérifier si c'est réellement le Saint-Esprit. Mina paswa kuchunguza kama bia kweli ni yo au ni ya bongo. Parce que si c'est réellement le Saint-Esprit. Kama ni Roho Mtakatifu ya bia kweli. Il doit me mettre dans les meilleures conditions. Itaniweka mu mahali mzuri. Pour que ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu pale baya pata Roho Mtakatifu. Ayez l'envie d'en recevoir. Na baba pata nia ya kuipata. Amen. Chikia ingine. L'eau toujours présente du rocher. Maji karibu na mwamba. Prêchez le 23 septième en 61. Yenye bana ubiri le tare. Je donne des références pour que vous ne pensiez pas, vous pensiez pas que j'ai inventé ces citations. Niko na leta maandiko du mushwaza sema mimi ndio mimi na yumba. Parce qu'actuellement il y a des gens qui inventent des citations. Tukuko bantu banaumba kama maandiko. Open 152. 152. Écoutez Branham. Sikia Branham. Combien sont sauvés ici, levez la main. Bangapi banaokolewa hapa muweke mikono yulu. Moi aussi je suis sauvé. Na mimi naokolewa. Branham dit quand vous êtes sauvés. Wakati unaokolewa. Dieu vous donne la foi pour vous élever et sortir de la saleté de la terre. Mungu anakupatia imani juu ya kupanda yulu na kutoka mbuchafu ya padunia. Quand vous êtes sauvé. Wakati unokolewa. Quand tu reçois le Saint-Esprit. Wakati unapata Roho Mtakatifu. Dieu te donne la foi. Mungu anakupatia imani. Pour faire quoi? Tu as fait nini? Pour t'élever. Dieu a kukupandisha. Quitte le terre à terre qu'on a parlé hier là. Unatoka mambo ya chini chini pour t'élever. Inakupandisha. C'est-à-dire entrer dans la cour des grands. Ni kusema unakuwa mtu wa yulu. Les grands prêtres que tu voyais seulement au loin. Bantu ba prêtre bakubwa bale unaweza kuona mbali. Que tu reçois le Saint-Esprit. Wakati unapata Roho Mtakatifu. Ils deviennent tes camarades. Na baba anakuwa barafiki yako. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Roho Mtakatifu anafanya nini? Il t'a élevé. Anakupandisha. Et après être élevé, ukisha pandishiwa, il t'enlève dans la saleté. Anakutosha mubuchafu. Mais je lis la citation. Mina soma andiko. Il t'enlève dans la saleté. Anakutosha mubuchafu. Cette saleté ne pensait pas seulement au péché. Buchafu bule, we ushuwaza se ni zambi tu. Ne rendons pas tout seulement mystique. We ushufanya biote bia masiri tu. Kuvala munkombu tous les jours to bila mtu a 200 francs una wewe unavala saleté unavala paka paka mankombo kila siku ni buchafu saleté wakati unapata Roho Mtakatifu itakutosha mbuchafu. J'ai envie de faire une forte déclaration. Mina penda kusema misemo ya nguvu kabisa. Permettez-moi de le dire, je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Munirusu niseme sije kama vile mtaichukua. Je vais parler. Mitasema. Je vais parler. Mitasema. La pauvreté n'est pas synonyme de la sainteté. Bumashikini haina kusema wenjo Mungu anakujua. Hapana. Je rejoue la bande. Mina semununa tena. La pauvreté
Umasikini n'est pas synonyme de la sainteté. Aina kusema uko mtakatifu hapana. Quelqu'un peut être habillé en matériaux durables comme mon pasteur ici. Mtu anaweza kufala msuri vile pasteur anafuala pale. Mais rempli de vertus de l'éternel. Alakini alisha kujazwa na nguvu ya wamilele. Leo mitahubiri paka na bakuraje. Quand tu y es venu pour être, je ne sais pas comment, tu seras mal à l'aise. Je vais parler des choses qui viennent après le Saint-Esprit. Nikuna sema na bitu bila bitakuya Saint-Esprit. Apa balipata Roho Mtakatifu. Comme vous ce matin vous avez aussi reçu le Saint-Esprit. Vile moyo mulipata na Roho Mtakatifu busubui. Maintenant arrivons en acte 4. Tufike kwa matendo ya mitume 4. Ça veut dire après leur effusion de la chambre haute. Nikusema kisha kumwangika kwa chumba cha juu. Qu'est-ce qui se passe en acte 4? Nini napitikana matendo ya mitume 4? Acte chapitre 4 le verset 31. Matendo ya mitume 4 mstari wa 31. Écoutez. Sikia. Quand ils eurent prié. Wakati balianza kuomba. Là ce sont les apôtres. Hapa ni wa mitume. Les lieux où ils étaient assemblés trembla. Wakati fashi na balikusanika ikatetemeka. Lis à haute voix avec moi. Soma nguvu na mie. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bote bakajazwa na Roho Mtakatifu. Et ils commençaient, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bakaanza kuhubiri habari njema na hakika. C'est ce que je fais aussi maintenant. Je suis en train de prêcher avec assurance. Na mimi niko nahubiri na hakika. Makumi tatu na tatu. Les apôtres wa mitume rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Balianza kuleta ushuhuda na nguvu ya ufufuko ya Yesu Kristo. Et une grande grâce reposait sur eux. Na neema kubwa ilikuwa juu yapo. C'est ce qui se passe ce soir. Njoo kile kinapitikana imangaribi. Après le Saint-Esprit, une grande grâce est sur vous. Kisha kumwangika kwa Roho Mtakatifu neema kubwa iko juu yenu. Verset 34. Makumi tatu na ine. Suivez. Fateni. Pourquoi ils annonçaient avec courage? Juu ya nini balianza kupasha habari njema na hodari? Lisons. Someni. Je veux que tu lises très fort. Mimi napenda usome nguvu. Je te fais confiance. Na kutumainia. Lis très fort. Soma na nguvu. Car kwa sababu il n'y avait parmi eux kulikuwa katikati yapo aucun indigent. Mtu wa chini chini hata moja. Mulanda pof. Masikini hata moja. Parmi les apôtres katikati wa mitume. Après l'effusion kisha kumwangika. Après le baptême du Saint-Esprit. Kisha ubatizo wa Roho Mtakatifu. Il n'y avait au milieu de aucun pauvre. Akukua masikini hata moja. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ça. Sijua kama mtu anashika mzuri. Maintenant ça c'est quel Saint-Esprit que nous trouvons. Ni ma Roho Mtakatifu kanishitu kwa nayo. Et après ça. Kisha ile. On continue à être pauvre. Tunaendelea paka na bumasikini bwetu. Le Saint-Esprit a changé. Roho Mtakatifu anabadilika. Il a manqué la capacité. Anakosa tena uwezo. Ou alors on n'a pas reçu réellement le Saint-Esprit. Au atupoke Roho Mtakatifu ya kweli. Je suis faible mes amis. Niko mzaifu banduku. Moi je crois que quand Dieu sauve mon âme. Mimi naamini kama wakati Mungu anaokoa nafsi yangu. Il est capable de sauver aussi mes poches. Aiko na uwezo ya kuokoa tena mfuko yangu. Salut d'abord les voisins, dis-lui après l'effusion. Kisha kumwangika. Parmi les apôtres. Katikati ya wa mitume. Il n'y avait aucun pauvre. Akukua masikini hata moja. Je veux dire après l'effusion à amen. Mimi nasema kisha kumwangika kwa Roho Mtakatifu wa amen. Aucun pauvre ici. Kushikua masikini hata moja hapa. Bwana mji. Bwana anasema. Je me rappelle quand on a commencé. Nakumbuka wakati tulianza. Le Branham Tabernacle. Branham maskani. Il y avait des pauvres au milieu de nous. Kulikuwa masikini katikati yetu. Mais ce matin. Anasema hii asubuhi. Quand je vous regarde tous. Wakati namiangalia nyie wote. Il n'y a aucun pauvre au milieu de nous. Hakuna maskini hata moja katikati yenu. Branham ni tout le monde est bien habillé. Branham anasema watu wote wanavala mzuri. Chacun a sa voiture. Kila mtu yuko na gari yake. Écoutez, je ne sais pas si tu diras amen. Sijua kama utasema amina. Branham ni chacun a un compte bancaire. Kila mtu yuko na compte ku banki yake. Est-ce que ça reste seulement au Branham Tabernacle? Et tu nabakia tu mu Branham maskani. On a reçu le même message. Tunapata ujumbe moja moja. Le même messager. Ujumbe moja moja. La même colonne de feu. Nguzo la moto moja moja. Le même Saint-Esprit. Roho Mtakatifu.
wote alikuwa masikini. À cause du Saint-Esprit. Tu ya Roho Mtakatifu. Moi je ne suis pas venu pour l'imposition des mains. Mais je suis venu kumwekea mikono. C'est déjà passé. Ilishapitikana. Je suis venu pour après les visions. Mimi nakuja kisha Roho Mtakatifu. Les pauvres disent je suis riche. Wa masikini wasema niko mtajiri. Les faibles disent je suis fort. Basaifu basema niko nguvu. À partir d'aujourd'hui. Tangu leo. Que même dans ta famille. Ata mujama yako. On constate un changement. Baone mabadiliko. Je ne parle pas un changement spirituel. Mimi sema mabadiliko ya kiro. Je parle du changement physique. Mimi nasema mabadiliko ya mwili. On doit voir une différence. Tunapaswa kuwa na tofauti. Entre ceux qui ont cru. Katikati ya pale banaamini. Et ceux qui n'ont pas cru. Na pale baamini. Salut trois personnes, comptez trois. Salimia batu batatu. Dites-les. Si parmi les apôtres, kama katikati wa mitume, il y avait aucun pauvre. Akukua maskini hata moja. Même ici. Hata hapa. Kililinyei aucun pauvre. Kushikua maskini hata moja. Frère Branham dit. Ntuko Branham anasema. Demande-moi bien. Frère Branham dit. Ntuko Branham anasema. Dieu veut que. Mungu anapenda. Vous soyez pauvres spirituellement. Mukwepa masikini mukiro. Mais ne soyez pas pauvres en argent. Alakini mushikwepa masikini mumakuta. Ikele zembu wa mujulu mwamuwa mumwa. Kama Mungu wa mbingu ni mocha mocha. Il change ton état financier. Abadilishe hali yako ya makuta. Je veux que quand je reviendrai ici. Mina pende wakati ntarudia tena hapa. Que tu puisses me dire. Unyambie. Grâce mutombo. Grâce mutombo. Le Dieu de Joël, Mungu wa Joeli, a transformé ma vie. Anabadilisha maisha yangu. Après les visions, kisha kumwangika, il n'y aura pas de pauvres. Akutakuwa ba masikini. Salut encore le voisin. Salimia tena jirani. Dis-lui Fandler. Umwambia Fandler. Après les visions. Kisha kumwangika. Salut-le avec beaucoup de courage. Umusalimia na hotari mi. Fandler. Fandler. Après les visions. Kisha kumwangika kwa damu. La communion par la rédemption. Ushiriki kisha ukombosi. Au point 12. Haya kumi na mbili. Papa donne la citation. L'étendico. La communion par la rédemption. Ukombosi kisha ushiriki. Au point 12. Haya kuminambili. Branham dit, c'est ça maintenant mon sujet, c'est ça. Branham anasema kishina yangu. Il dit, je tenais des réunions à grande prairie. Mina za kufanya kanisa ku prairie mukubwa. Où je dois en tenir d'autres dans peu de jours. Yenye mina za kufanya kufanya ingine mumashiku chache. J'étais à Dawson Green. Nilikuwa ku Dawson Green. En Colombie Britannique. Ku Colombie ku Britannique. Et après à grande prairie. Kisha kutoka ku grande prairie. Suivez maintenant. Fata. Là. Pale. Un jeune homme est entré une fois à la réunion. Kijana mwa inaingia malaki ya kwanza kumusaniko. Un jeune homme. Kijana mwanaume. Il n'a pas parlé, oh, c'était un papa de 120 ans. Ah, je kuseme baba. Un jeune homme. Anasema kijana mwanaume. Est entré dans la réunion. Anaingia mukusaniko. Suivez. Fateni. Et Dieu a mis la main sur lui. Na Mungu akaweka mukono juu yake. Et na, il a été obligé de revenir. Alipaso arudie tena. Et ce jeune homme là, na ule kijana, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Akapata ubatizo Roho Mtakatifu. Le jeune homme avait reçu quoi? Kijana alipata nini? Répète la haute voix, il avait reçu quoi? Sema pamoja na mimi alipata nini? Le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo Roho Mtakatifu. Et s'il veut être assez gentil pour ne fût-ce que s'élever afin que les gens sachent. Na kama nezi kuwa mupole ashimame kwa yulu juu bantu bajue. Branham dit frère Fandler. Branham anasema nduku Fandler. Il est originaire de la Suisse. Ye ni wa kutoka ku Suisse. Que le Seigneur vous bénisse frère Fandler. Mungu akubariki nduku Fandler. Que tous les Fandler qui sont ici, que le Seigneur vous bénisse. Ba Fandler bote beko apa Mungu abariki. Fandler avait reçu le Saint-Esprit. Fandler alipata Roho Mtakatifu. Vous aussi vous avez reçu le Saint-Esprit. Na wewe pia ulipata Roho Mtakatifu. Branham dit. Branham anasema. Nous sommes contents de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Tuko na furaha kumuona katikati yetu leo. Pasteur Joël est content de vous tous ici. Pasteur Joël yuko na furaha na wewe. Fandler. Fandler. C'est lui qui a découvert ce remarquable médicament.
qui sera très bientôt sur le marché. Yenjo alipata hii dawa yenye itakuwa itaushishwa muhimu siku. Lequel fera le tour du monde. Yenjo itashungula dawa itashunguluka ulimwengu mzima. Après que Fandler a reçu le Saint-Esprit. Kisha Fandler kupata Roho Mtakatifu. Il a fait l'invention. Akaumba d'un produit médical. Dawa qui doit faire le tour. Il est ajungulu ka ulimwengu mzima. Branham dit. Branham anasema. Lequel fera le tour du monde? C'est un remède contre la tride. Ni dawa ya kutunza atrite. Atrite. Suivez. Comment il a eu ce produit là? Na mona kanya lipata ile dawa. Le Seigneur le lui a donné. Bwana njo alimupatia hayo. Ce Seigneur là c'est le Seigneur qui était dans son âme. Ule Bwana ni ule Bwana alikuwa ndani ya nafsi yake. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Branham dit. Branham anasema. Le Seigneur le lui a donné. Bwana anamupatia hayo. Dieu seul. Amen. Mungu ye peke. Le Seigneur le lui a donné. Bwana anamupatia hayo. Et on en a déposé un échantillon à l'administration. Baleta ko échantillon kuiba chungamali. C'est un remède contre l'arthrite. Ni madawa ya kutuza arthrite. Donné par le Seigneur Dieu seul. Yule Bwana ye peke alimupatia hayo. Branham dit amen. Branham anasema amina. Qui lui a dit quoi faire? Bwana alimwambia kaye kufanya. Il n'y a rien sur, il n'y a rien jusqu'à ce jour sur le marché pour traiter l'arthrite. Hakuna dawa hata moja hapa sasa jua kutuza arthrite. Mais maintenant. Hapa sasa. Le Seigneur l'a donné à frère Fandler. Bwana anaipatia nduku Fandler. Et moi Branham et Branham Tabernacle. Mie Branham na Branham Askani. On n'est pas content de cela. Atufurahi na ile. On a écrit quoi? Banaandika nini? On n'est pas content de cela. Atupende atufurahi na ile. On est mécontent de cela. Atufurahi na ile dawa. Et qu'est-ce que Branham dit? Branham anasema nini? Nous en sommes heureux. Tuko bantu ya heri. Fandler quand il a reçu le Saint-Esprit. Fandler wakati alipata Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit lui a donné. Roho Mtakatifu ilimupatia. La formule. Namuna. Pour créer un produit. Jo kuumba dawa fulani. Mais nous notre Saint-Esprit. Yetu Roho Mtakatifu. Nous amène seulement à ne pas insulter. Inatufikisha tusichambulane. À ne pas fumer. Tusivute sigara. Moi je crois. Mimi naamini. Quand on reçoit le Saint-Esprit. Wakati unapata Roho Mtakatifu. Il peut indiquer là où il y a des carnières minières. Inaweza kuonyesha pale penyewe. Pale kwenye kuko carrière. Dieu peut te communiquer. Mungu anaweza kukwambia. Une activité que personne n'a jamais fait. Kufanya biashara byenye mtu mwingine hayafanyaka. Mimi napenda ba Fandler. Oh Dieu. Eh Mungu. Encore de nouveau Fandler. Ba Fandler ba sasa tena. Les gens qui peuvent inventer. Batu bale banaweza kuumba. Il fait quelque chose. Banafanya kitu fulani. Tout le monde se pose des questions. Batu bote banajiuliza. Il a fait quelle étude? Anafanya mafunzo kani? Il a quel diplôme? Eko na diplôme kani? Je n'ai pas besoin des études. Mimi sipende mambo ya kujifunza. Je n'ai pas besoin d'études pour faire les exploits. Akuja kufanya mishangaisho ilombe majifunzo. Il est Dieu. Ni Mungu. Qui ramasse. Eko na lokota. Qui ridicule. Mutupu. Wo sublime. Inafika ku de la poussière. Mufumbi. Aux étoiles. Inakuwa kumanyota. Après ces réunions. Kisha hii makanisa. Dans ton âme à toi là. Ndani ya nafsi yako mule. Que le Saint-Esprit te communique. Roho Mtakatifu kupatie eko. Quelque chose. Kitu fulani. Que ton père n'a jamais fait. Kenye baba yako haya fanyaka. Oh, je sais maintenant la chose. Nasikia sasa kitu. Que ton père n'a jamais fait. Kenye baba yako haya fanyaka. Que ta mère n'a jamais fait. Kenye mama yako haya fanyaka. Que ton oncle n'a jamais fait. Kenye mchomba yako haya fanyaka. Ce n'est pas n'importe qui. Hauna mtu yoyote. Tu es Fandler. Wewe uko Fandler. Fandler moderne. Fandler wa leo. Fandler d'aujourd'hui. Fandler wa leo. Au point que le pasteur. Munamu na kusema pastori. Sera fier de toi. Atakuwa fieri na wewe. Je suis fatigué. Nina choka. De prêcher le Dieu de John Charite. Ya kuhubiri Mungu wa John Charite. Je suis fatigué. Mina choka. Oh John Charite. Oh John Charite. Les millionnaires. Millionnaire. Les millionnaires. Millionnaire. Pour
temps, je n'ai jamais consommé même un dollar de John Charity. Monsieur Akulaka, ta dollar moja John Charity. Ce soir, il manganidi. J'ai besoin qu'ici à Kolwezi. Mina paida pa mkolwezi. En plus, vous êtes sur une bonne ville. Tena muko mumuji ya mzuri. La ville de la capitale d'argent. Muji yenye inayala na makuta. Là où il y a beaucoup d'activités. Pale penebo yako biashara bia mingi. Que Dieu te connecte. Mungu akunganishe iko. Dans ce nouveau gouvernement. Muika ka serikali mupya. Dans ce nouveau gouvernement. Moïse serikali mupya. Que le Dieu de toute puissance. Mungu wa uwezo yote. Le Dieu qui donne le Saint-Esprit. Mungu le konaleta Roho Mtakatifu. Si il avait communiqué à Fandler. Kama aliambia Fandler. Qu'il te communique à toi aussi. Na ya kuambia ko tena na wewe. Il te donne une activité. Akupatie ko biashara. Qui fera que les gens te regardent. Yenye bitafanya se batu bakuangalie. Il se pose des questions. Bajiulize. C'est lui. Ni yeye. Ou c'est quelqu'un. Ao ni mtu mwingine. C'est toujours moi. Ni paka mie. Mais cette fois-ci. Anakinyo hapa sasa. La formule Fandler. Mambo ni ya Fandler. Formule Fandler. Mambo ni ya Fandler. Fandler soit béni. Fandler barikiwe. Fandler soit élevé. Fandler nyanuliwe. Je veux que les gens. Mina penda watu. D'ailleurs Branham dit. Branham anasema. Quand tu reçois la nouvelle naissance. Wakati unapata kuzaliwa kipya. Les gens doivent te donner un nouveau nom. Bantu banapusha kupatia manjina mupya. Batangire bamenye uri nyibuloshi. Banangare banasema huyu ni mulosi. Ye uri nyimanga. Huyu yako ni mchawi. Mokiltiste. Huyu ni mtu wa madawa. Oui, oui. Ndiyo. Je suis dans des choses. Niko mubintu. Oh, il a touché des choses. Oh, anagusa bintu. Oui, oui. Ndiyo. J'ai touché des choses. Mina gusa bintu. J'ai même sacrifié. Mina toa ta kutoa. L'aîné de notre famille. Ula wa kwanza wa mchama yetu. J'ai sacrifié mon grand frère de la famille. Mina toa mkubwa yangu wa mchama. Je l'ai sacrifié. Mina mutoa. C'était un certain vendredi. Ilikuwa ni mkasi tano. Un certain vendredi. Mkasi tano. Sur une montagne. Kumulima. Qu'on appelle Golgotha. Panaita Golgotha. Et mon grand frère là. Na ule mkubwa yangu ule. J'ai donné son sang. Mina toa damu yake. Pour que j'aie la vie éternelle. Tu nipate uzimu wa milele. J'ai donné son sang. Mina toa damu yake. Pour que je sois millionnaire. Tu nikuwa millionari. Et il a formé na akatunga jour ve jour chiku jour de victoire chiku ya ushindi et il a crié na alilalamika wope eh baba wope oh baba tout est accompli byote binatimilika ça veut dire ni kusema il a regardé sur la liste de ceux qui iront en enfer anangalia kwa pale batenda mwadezi il ne voit pas ton nom ashone jina lako sur la liste des pauvres mukatesi ya bamasikini il ne voit pas ton nom ashone jina lako sur la liste des malheureux pa ile kartesi ya baole il ne voit pas ton nom ashone jina lako sur la liste des maudits pa kartesi ya bale bananiwa il ne voit pas ton nom ashone jina lako et là il crie na pale analalamika ope hey, papa tout est accompli yote binachimilika je sens l'onction des millions maintenant nasikia upako ya milioni sasa je sens l'onction des millions maintenant nasikia upako ya milioni si Branham kama Branham est un vrai prophète ni nabii wa kweli si Jésus Christ kama Yesu Kristo est un vrai Dieu ni Mungu wa kweli si le Saint Esprit kama Roho Mtakatifu iko hai que le Dieu qui a béni Chandler Mungu alibariki Chandler le Dieu qui a élevé Fandler Mungu alinyanyua Fandler qu'il ne se limite pas à Jefferson Ashibaki apaka kujafanson vile. Il vient ici à Kolwezi. Akuya hapa Mkolwezi. Il connaît ton adresse. Anajua nani yako. Il connaît ton avenue. Anajua nani yako. Il connaît ton nom. Anajua jina lako. Même si le pasteur. Hata kama pastori. Il connaît pas ton nom. Ashijua jina lako. Je connais un seul. Minajua mmoja. Le patron de l'univers. Patroni wa ulimwengu. Jehovah. Jehovah mkubwa. Le Ele Ela Elohim. Ele Ela Elohim. Le patron de mon âme. Ule boss wa nafsi yangu. Il connaît par ton nom. Anakujua kunjina. Au nom de Jésus Christ. Mu jina la Yesu Kristo. Soyez béni. Barikiwe. Soyez élevé. Munyanuliwe. Soyez pardonné. Musamehewe. Tu n'es pas malheureux. Auna wawole. Soyez béni. Unabarikiwa. Dis au voisin. Ambia jirani. Salut les voisins. Salimia jirani. Dis-lui, tu y es venu assister. Unakuya kuangalia. À l'enterrement.
kukumaziko de ma pauvreté ya umasikini yangu. Tu es venu assister unakuwa kutazama kumaziko de mes problèmes ya matatizo yangu. Hadi watu kamwabeu wakati utatoka hapa pulanda bubushala no mwabeu umasikini bubaki hapa zambi wa William Branham Mungu wa William Branham zambi ruwe leve bantu Mungu la nanyanuaka bantu qu'il te localise akutambue pale huko qu'il te ramasse là où tu y es akulokote pale huko. Tu n'es pas n'importe qui auna mtu wote tu y es le Fandler moderne huko Fandler wa leo tel est Dieu de Branham Mungu wa Branham inspire quelque chose akupulizia kitu fulani là où les gens vont dire pale kwenye bantu batasema connecte moi un peu uniunganishe kwa nami branch moi un peu nami uniweke eko que ceux qui t'ont négligé pale pale kuzarau qu'il profite de prendre ton numéro ce baza kubeba namba yako hii magharibi qu'il cherche déjà ton numéro batafute namba yako parce que un moment est arrivé tu wakati nafika pour te voir ça sera compliqué tu akukona bitakuwa mfuruko haleluya amen quelqu'un dise gloire à Dieu gloire à Dieu merci Seigneur merci Seigneur le Saint-Esprit l'homme takatifu change la vie des gens inabadilisha maisha ya watu. Salut les voisins. Salut mia jirani. Salut les. Salut mia jirani. Dis-lui tu as la chance. Umwambie uko na bahati. Serrer la main. Ya kuwepatia mtu. Des millionnaires. Kusalimia milionari. Qu'il te soit fait. Bikufanikie. Qu'il te soit fait. Bikufanikie. Selon votre confession. Kufatana na kukiri kwako. Qu'il te soit fait. Bikufanikie. Selon votre amen. Kufatana na amen yako. Qu'il te soit fait. Bikufanikie. Selon votre alléluia. Kufatana na alléluia yako. Dis-lui encore. Umwambie tena. Comme tu es déjà debout. Vile ulisha simama. Lis cette citation. Soma hii andiko. Dis-lui ça. Umwambie hayo. Dis-lui comme tu es déjà debout. Vile ulisha simama. Lis cette citation. Soma hii andiko. Exposé de cet âge de l'église. Bisasi sombe bya kanisa. 119. 119. Papa envoie la citation. Baba tuma andiko. Exposé de cet âge de l'église. Bisasi sombe bya kanisa. Utume citation rapidement. Branham dit. Branham anasema. Demande-moi très bien. Uniulize mzuri. Fais Branham dit. Ndoko Branham anasema. Mais. Alakini. Ceci. Hii. N'est pas contre les riches. Ai katalane na batajiri. Ceci. Hii. N'est pas contre les riches. Ai pinganishe batajiri. Dis-lui, ne sois pas contre les riches. Ushi pinganishe mutajiri. Un frère qui, quand il voit une grosse jeep entrer, abana normal. Je ne vois pas sa richesse. On a une jeep mounene na ingye, on a sema, abanjoba loge abba. Non, je ne vois pas Danny Claire. Sa richesse, je ne vois pas Claire. Butajiri buake mishi buone Claire. Toi, c'est seulement ma pauvreté que tu voyais Claire. Ni bu masikini buangu jo liwone Claire. Ma richesse, tu ne vois pas ça clair. Butajiri buangu abuone clair. C'est seulement ma pauvreté. Ni bu masikini buangu. Que toi tu voyais clair. Jobule unaona clair. Branham dit. Branham anasema. Ceci n'est pas contre les riches. Hii haipingani na watajiri. Le Saint-Esprit n'est pas contre les riches. Roho Mtakatifu haipingani na watajiri. Papa envoie la citation sipo kutoyani. Tumekuandiko banduku. Branham dit. Branham anasema. En effet. Kwa hivi basi, Dieu peut sauver un riche. Mungu anezi koko mutajiri. Comme Dieu peut sauver un riche. Vile Mungu anezi koko mutajiri. Moi je préfère. Mimi napenda. Être sauvé. Ni okolewe. Mais étant du côté des riches. Ni kwe ngambo ya patajiri. Alléluia. Amen. Comme Dieu peut sauver les riches. Vile Mungu anezi koko batajiri. Moi ce soir. Imi ya imangaribi. Je lève ma main. Na nyanua mkono yangu. Je dis à Dieu. Na ambia Mungu. Oh Dieu. Hey Mungu. Sauve moi. Uniokowe. Mais du côté des riches. Alakini ngambo ya batajiri. Frère Branham dit. Ndoko Branham anasema. Il y a des riches parmi les enfants de Dieu. Kuko batajiri
katikati ya batoto ya Mungu. Kerisha mvoe na meno volumine. Mutajiri atuma meno ya nguvu. Amen. Kerisha dona meno ki derange le diable. Amen. Tu es encore au voisin. Ambia tena jirani. Il y a des riches. Kuko batajiri. Parmi les enfants de Dieu. Katikati ya batoto ya Mungu. Oh bien-aimé. Oh mupendwa. Je ne vois même pas l'exemple de notre précieux frère pauvre Lazare. Aoneko mufano ya Lazare wetu masikini. Merci bien-aimé. Aksante mupendo. Moi je ne suis pas pauvre Lazare. Mimi sina masikini Lazaro. Je ne serai même pas pauvre Lazare. Nashita kuwaka masikini Lazaro. Que le Dieu de Branham. Mungu wa Branham. Vous donne des jupes qui étouffent les jaloux. Amipatie majupe ya kuzuize batu ya wivu. Il y a certaines bénédictions qui étouffent les jaloux. Yo, il a fungé caro, bantu ya wivu. Oh, il est toujours comme ça. Yani kalaka paka hivi. C'est pour que ça fasse quoi? Ninju bifanye nini? Kibu abienze bishu. Anapenda batonesha. Kibu abienze mudibi kwenzamu. Bikufanya paka vile biku na kufanya. Wesha nu changer machine. Oh, leo na changer mpango. Leo na badilisha magari. Anabadilisha manyumba. Kuonesha chingani. Njoo kuonesha nini? Kuonesha chiwa mwanachi. Njoo kuonesha kile unaona kile. Avoe na meno Joelik. Utuma meno ya Joeli. Mfile bwanga. Ngombasha buku hapo. Être conduit 45. Kongozewa makumi na tano. Envoi être conduit 45. Tuma. Prêcher le 31 10e mois 56. Yenye bana ubiri litare. Brana meti. Brana manasema. Vous voyez. Munaona. Eh bien. Mzuri. Il n'y a rien de mal à avoir de l'argent. Hakuna bubaya mukupate makuta. Vous voyez? Munaona. Il n'y a rien de mal. Hakuna bubaya à avoir de l'argent. Mukupate makuta. À être riche, mukwe mutajiri, d'être un dirigeant, mukwe mutu mongozi. Il n'y a pas rien de mal en étant dirigeant. Hakuna mubaya kukwe mongozi. Oh, unaona makazi ingine. Oh, vous voyez d'autres travail. Il faut être mu monde moye hivi. Unapasha kwa mu madawa. Voyez, il faut être comme ça. Il faut kwa mu mamon, mu loge. Il n'y a pas de travaux pour les occultistes. Hakuna, hakuna kazi ya bachawi haina hako. Si Dieu te donne l'occasion de devenir gouverneur, montez. Kama Mungu anakupa bahati ya kuwa gouverneur, wende. Branham il n'y a pas de mal d'être un dirigeant. Branham asema kuna bubaye kwa mongozi. Deviens dirigeant de ta famille. Weye kwa mongozi wa chama yako. Bouge un peu le pied. Tembe yako kiloko. Faites moi tel que je suis. Mie fini kwa hapa. Le dirigeant de ma famille. Niko mongozi wa chama yangu. Le dirigeant de ma famille. Mongozi wa chama yangu. Dites je suis dirigeant de ma famille. Niko mongozi wa chama yangu. Que Dieu de Branham. Mungu wa Branham. Qu'il te mette au sommet. Akuwete juu. Après l'effusion. Kisha kumwangika kwa Roho Mtakatifu. L'élévation. Ni kunyanuliwa. Je vais encore te faire fâcher. Mina penda ni kusirikise. Nous sommes dans le 40e âge. Tuko mkizazi kani. 40e âge. 7e âge. Quizás que a Saba. Bom, vous qui connaissez beaucoup de choses, il y a un 8e âge qui vient. Non. Donc, c'est le dernier âge. Nikusema quizás njo kia mwisho. Bon, comme c'est le dernier âge. Vile ni kia mwisho. Tu veux partir au ciel vite comme ça, ne profitant pas les bonnes choses de la terre pour toi. Unataka kwenda kumbingu mbio mbio, au yapata kwa makuta ya paitunia. Comme c'est le dernier âge. Vile ni quizás kia mwisho. Consommons sans modération. Tukikule bila bila kuacha bingine. Mabaju onso aurushila nani. Mautagiri yote unayachia nani. Après cet âge. Kisha iki kizazi. Y'a pas un autre âge. Hakuna kizazi kingine. Bindio mabaju onso. Butagiri bote upu. Urushila nani. Unapuachia nani. No, konsedize la verite. Tuambiane ukweli. Wosele y'a pas de maison. Kumbingu kuna manyumba. Kaku ina machine. Magari ya ina hako. Tout ce que tu cherches là est sur la terre. Biote bilo kuna tafuta biko pa hii dunia. Qui peut me dire ça? En lingala, tout ce que tu cherches est sur la terre.
Dis-moi ça, dis-moi ça. Biote bilo kuna tafuta biku paka pa hii dunia. Qui peut me dire ça en anglais? D'ailleurs, la porte de l'Afrique est ici. Dis-moi ça dans How Are You? Tout ce que tu cherches est sur la terre. Yeah, everything you want is here. Everything you want is here on the earth. Uri mumbai. Unasikia? Every easy. Every easy. Ano haiza. Paka hapa chini hapa. Tu es sur la terre. Yote biko pa dunia. Je vais le dire en chinois. Mitasema muki chinois. Bio subiri wewe na abidjin. Biote bila ambayo unahitaji. Kukabike bimuju luto. Usibitafute mbinguni. Bio subiri na abidjin. Biote bila kuna tafuta. Biliano habuloba. Biko pega papa pa dunia. Habuloba. Roho Mtakatifu pa dunia. Pa unyizubu. Pango na manyumba paka pa dunia. Jérémie 32 verset 42. Yeremia makumi tatu na mbili makumi ine na mbili. Pendant que je mets presque ma dernière vitesse. Wakati nienda na kumwisho. Car. Kwa sababu. Ainsi parle l'Éternel. Hivyo asema wa milele. De même que. Vile vile. Je fais venir sur ce peuple. Nilifikisha pa hii taifa langu. Tous ces grands malheurs. Il laana kubwa. De même. Vile vile tena. Je ferai venir. Ntaleta tena. Sur juu yabo. Tous les biens que je leur ai promis. Bizuri biote nilibalaka. Écoutez la prophétie. Sikia unabii. On achetera des champs. Tutauza mashamba. Dans ce pays. Mu hii nchi. Chimanyuru move. Shida kama unasikia. On achetera des terrains. Tutauza mampango. Dans ce pays. Mui inchi. Et le pays n'est pas seulement Kolwezi. Na inchi haina peka Kolwezi. Kinshasa. Kinshasa. Lubumbashi. Lubumbashi. Goma. Goma. Partout où tu veux. Fashi yote unaenda. Est-ce que je peux avancer? Echi inaweza kusonga mbele. Même la France est un pays. Hata mu France ni inchi. Même les États-Unis est un pays. Hata Amerika ni inchi. On achetera des terrains. Tutauza mampango. Dans ce pays. Mui inchi. Donc vous dites. Yenye batakwambia. C'est un désert. Ni jangwa. Sans homme ni bête. Aina mwanzo na mwisho. Il est livré entre les mains de Chaldéens. Aliitoa katika cha mikono. Lila prophétie. Lisez. Soma unabii. On achètera des champs. Tutauza mashamba. Pour de l'argent. Juu ya makuta. On écrira des contrats. Na tutapata hapo makontra. Que le Dieu de Branham. Mungu wa Branham. Vous donne des contrats. Amipatie kwa makontra. Je le répète encore. Na isemununa tena. Le Dieu de Joël. Mungu wa Joël. Vous donne des contrats. Amipatie makontra. Signe des grands contrats. Yenye mchapa saini makontra mikubwa. Si dit le Seigneur. Ivi Bwana anasema. Et frère Branham dit. Na tuko Branham anasema. Tu peux jouer. Biote bila siku. Shindwa. Tupe fayi. Biote bila siku shindwa. Sof. Paka tu. Sof. Paka tu. Lesi di le Seigneur. Ivi asema Bwana. J'ai trois prophéties à vous donner. Niko na unabii tatu na penda kumipa. Avant que je clôture cette onction. Kabla ni malisa hii pako. Qui veut écouter les trois prophéties. Nani anapenda ma unabii tatu. La première prophétie. Unabii ya kwanza. Ton âme. Nafsi yako. Est déliée. Inafunguliwa. De l'enfer. Mwadezi. Reçois-le avec la dernière énergie. Uipokee na hatua ya mwisho. Amen. Si tout ce que je dis peut échouer, mais ce que je dis ici n'échouera jamais. Kama biote mina sema binaweza kushinda lakini hiki akitashindwa kamwe. J'avais donné une prophétie à votre pasteur. Mimi nilileta unabii kwa pasteur wenu. Il devait avoir une église à Kolwezi. Alipasha kupata kanisa Mkolwezi. Ce moment-là il n'était pas encore pasteur, il était ministre. Ile wakati alikuwa mhubiri ashukua pasteur. Il a dit je n'habite pas Kolwezi. Akasema mimi shika lake Mkolwezi. Mimi kwangu ni Lubumbashi. Ça va se faire. Bitafanika je. J'ai dit même si tu le
refuse. Nikasema hata kama unakataa, hata kama unaamini. Retenez ce que je vous dis. Baba hiki mimi nakwambia. Toi papa Joël. Wewe papa Joël. Tu auras l'église à Colosse. Utakuwa kanisa kukolwe. Ce soir je prêche dans son église. Leo mimi naubiri kanisa yake. Cette prophétie là. Ile unabii ile. Est accompli. Inatimilika. C'est la même bouche qui prophétise maintenant. Ni kinywa moja moja ndio kinatabiri sasa. Ton âme. Nafsi yako wewe. Est lié. Inafunguliwa. De l'enfer. Moi dési. Au nom de Jésus. Deuxième prophétie. Unabii ya pili. Deuxième prophétie. Unabii ya pili. Tout ce que tu y as comme projet. Byote bili konabyo kama vile maapo. Tout ce que tu y as comme projet. Byote bili konabyo kama vile maapo. Ce soir. I magharibi. Ce ne sont plus encore tes projets. Aina tena maapo. Ça devient des projets de Dieu. Ii unakuwa na maapo ya Mungu. Tout ce que tu y as comme projet. Byote bili konabyo kama vile maapo. C'est obligé de réussir. Bina pasha kuweza. Tout ce que tu y as comme projet. Byote bili konabyo kama vile maapo. Même si tu y avais échoué. Ata kama ulishindwa. Ce soir. Ii magharibi. Retourne là où tu y avais échoué. Rudia pale ulishindwa. Ce soir. I magharibi. Retourne là où tu avais échoué. Rudia pale ulishindwa. Sous l'onction du Saint-Esprit. Chini ya upako wa Roho Mtakatifu. Bitatembea. Ça va marcher. Bitatembea. Ça va marcher. Bitatembea. Ça va marcher. Bitatembea. Ça va marcher. Bitatembea. Au nom de Jésus. Qui a dit que toi tu ne peux pas évoluer? Nani anasema hautaendelea kawe? Qui a dit que toi tu ne peux pas évoluer? Nani anasema utaendeleaka? Qui a dit que toi tu dois témoigner toujours les témoignages des autres? Nani anasema utaanza kushuhudia paka mashuhuda watu wengine? Ces frères là on a vu comment il a évolué. Ulende kutuona vile alipanda. On est étonné de les voir. Qui a dit que tu dois parler toujours des gens? Nani anasema utaanza kusema juu watu wengine? Ce soir. I magharibi. On ne doit pas, tu ne dois pas parler des gens. Hautasema tena juu watu wengine. Mais ce soir. Lakini magharibi. Les gens doivent parler de toi. Bantu banapaswa kusema juu yako. Les gens doivent parler de toi. Bantu banapaswa kusema juu yako. Quand toi tu arrives à un endroit. Wakati unafika fasi. On doit savoir. Banapaswa kujua. Tel est arrivé. Ya kwamba fulani anafika. Oui mes amis. Ndio barafiki. Abraham dit. Ndiko Abraham anasema. Vous devez avoir une grande influence. Munapaswa kuwa na uvuto. Ce n'est pas de l'orgueil. Aina kiburi. Mais c'est la parole. Lakini ni neno. Le Dieu de Abraham. Mungu wa Abraham. Te donne une influence. Akupatie. Que ta parole devienne la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Que ta signature devienne la signature de Dieu. Uchapo yake kwa signature ya Mungu. Au nom de Jésus. Troisième prophétie. Unabii ya tatu. Troisième prophétie. Unabii ya tatu. Qui est prêt à la recevoir? Nani iko tayari kuipokea? Troisième prophétie. Unabii ya tatu. Ce soir. I magharibi. Je ne dis pas demain. Mais je sais mes kesho. La même onction qui était au calvaire. Upako moja moja ilikuwa ku calvario. Qui avait dit à ce voleur. Yenye iliambia ule mjambasi. Que ce soir. Ya kwamba hii magharibi. Tu seras avec moi au paradis. Utakuwa na mimi ku paradiso. C'est la même onction qui parle maintenant. Ni upako ndio inasema tena hapa. Ce soir. I magharibi. Ce soir, Imangaribi, c'est la fin de ta souffrance. Ni mwisho ya mateso yako. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Mchina la Yesu Kristo. Même si tu y avais une maladie. Hata kama ulikuwa na magonjwa. Le Dieu de Branham. Mungu wa Branham. Kasho mwana masam. Yeye anatoshaka magonjwa. Même si c'est une maladie. Hata kama ni magonjwa. Kona pavi wa microscope. Yeye abaona ku microscope. Kona pavi dans les diagnostics. Abaone wakati balishunguza. Branham dit. Tuko Branham anasema. Rien ne se cache devant Jésus. Hakuna kile kinaficha mbele ya Yesu. Si cette maladie. Hata kama ile magonjwa. Si ni maladie venant de l'enfer. Ni magonjwa inatoka mwadesi. Kwanza jete dans la sorcellerie. Bana kutupia yo mbulosi. Au nom de Jésus Christ. Mchina la Yesu Kristo. Sambi kesho mwana masamu. Mungu wa kondoo masamu. Sambi urusho mwana masamu. Mungu mwenyewe anatoshaka ile mapepo mchafu. Ule Mungu mwenyewe anakula mamungu bichini. Ule mwenyewe kamanda wa majeshi. Bwana wa bikom.
mtoto. Ule mwamba wa machozi wakati wa mchipanda. Ule mwenye liwa ya mpote. Cha moyo wangu. Ile moyo wangu. Sambi ukini kuangile Bwana. Mungu la shushindoje. Apitana kama salai. Ule kamanda wa machozi. Sambi wa meso ajikushi cha mchipanda. Mungu mwenye kuwa na nguzo la moto. Kilantra danto dosu. Aige mu mambo yako. Kilantra danta jifikiru. Aige mu matatizo yako. Chia longa plere. Unalia sana. Ce soir. Ima ngaribi. Amen. Amen. Ce soir, Imangaribi, reçois ton témoignage. Pokea ushuhuda yako. Reçois ton témoignage. Pokea ushuhuda wako. Tu ne pleureras pas encore. Hautalia tena. Si tes larmes doivent couler, kama machozi yanapaswa kumwangika, ça sera les larmes de joie. Itakuwa ni machozi ya furaha. Mu jina la Yesu Kristo. Si tu dois pleurer, kama unapaswa kulia, que ça soit les larmes de joie. Ikuwe machozi ya furaha. Mungu wa Branham, entre dans ton dos. Angia mu mambo yako. Je me rappelle une chanson. Nakumbuka mumimbo moto. On chantait à l'époque. Yenye tunaanza kuimba zamani. Tambo wa machi munjila. Mulumanganyi wako mulonda. Tambo wa machi munjila. Mulumanganyi wako mulonda. Simba anaingia mu balabala. Ni nani anawezi kumfuata? Sasa. I magharibi. Le lion de la tribu de Juda. Simba wa kisasi cha Yuta. La grande colonne de feu. Nguzo la moto kubwa. Il s'est interposé. Inashimama katikati. Entre toi. Katikati yako. Et la malédiction. Na ile laana. Entre toi. Katikati yako. Et la pauvreté. Na umasikini. Entre toi. Katikati yako. Et la maladie. Na magonjwa. Qui est fort? Nani wa nguvu? Qui est fort? Ni nani wa nguvu? Je veux voir ces sorciers. Napenda nione ule mulosi. Je veux voir ces sorciers. Napenda nione ule mulosi. Qui peut ensorceler? Ula nezi kuloka. Dans le lion de la tribu de Juda cette nuit debout. Wakati simba wa kisasi ka Yuda na shimama yulu. Que les gens te regardent. Bantu bakuangalie. Et qu'ils disent. Na baseme. Il est béni de l'éternel. Anabarikiwa na wa milele. Il est béni de l'éternel. Anabarikiwa na wa milele. Au nom de Jésus Christ. Mu jina la Yesu Kristo. Recevez votre délivrance. Pokea ufungulivu yenu. Je retourne à Kinshasa. Narudia ku Kinshasa. Avec de bonnes nouvelles. Na habari njema. Je dirai à mon église. Tambia kanisa langu. Sublime mon église. Sublime kanisa langu. De là où je viens. Kule mimi natoka. Dieu a créé des millionnaires. Mungu anaupa pa milionari. De là où je viens. Kule mimi natoka. Dieu a élevé les gens. Mungu analamusha watu. De là où je viens. Kule mimi natoka. Dieu a changé. Mungu anabadilisha. La malédiction. La ana. En bénédiction. Inakuwa baraka. La maladie. Magonjwa. En bonne santé. Inakuwa afya njema. Le chômage. Kukosa kazi. En travail. Inapata kazi. Le Saint-Esprit n'est pas un chômeur. Roho Mtakatifu ashikosake kazi. Le Saint-Esprit travaille. Roho Mtakatifu anatumikaka. Domine là où toi tu vis. Tawale pale kunaishi. Deviens la référence de la famille. Weye ukuwe kionesho cha jamaa. La référence de l'église. Kionesho cha kanisa. Au nom de Jésus. Que la montre égale. Que tout un chacun s'assoie. Aïna mambo ya komba. Ikala chile. Ce n'est pas le problème de prier. Aïna mambo ya mfanini. Ya komba. Ce n'est pas le problème de prier. Avant qu'on prie pour nous, j'aimerais qu'on fasse ça. J'enlève d'abord les corbeilles, je mets ça là-bas. Mets l'argent dedans. Oui, Kamakuta Mulindani. Mets l'argent dedans. Oui, Kamakuta Mulindani. Vous allez comprendre après. Mutaele wa kisha. Parce qu'à la montagne. Jukumulima, Dieu avant de donner les béliers à Abraham, il lui a d'abord dit donne Isaac. Mungu mbele ya kumukaburia Abraham ule nkondo alimwambia mbele sa toa mbele Isaka. Et Isaac était tout ce qu'il avait. Na Isaka njo yote alikuwa nayo. Tu veux que Dieu te rende millionnaire? Unapenda Mungu akufanye milionari? Donne Isaac. Leta Isaka. Vous allez voir que les choses de Dieu sont des formules comme ça. Donne Isaac. Leta Isaka.
signe ça aujourd'hui. Dis, je signe ça. Pika saini, sema leo mina pika saini. Je signe ma bénédiction. Na pika saini baraka yangu. Il ne faut pas rester parce que j'ai l'onction ce soir. Je n'y connais pas quoi il mangaribi. Les gens qui sont amen, ils connaissent. Bale bantu beko ami na banajua. Gens qui sont ici amen, ils connaissent. Bantu benye kuye apa banajua. Le mercredi antérieur. Il est mukazita tu le répète il est week-end. Quand je termine de prêcher, Dieu m'a dit, tes femmes vont guérir. Wakati nirisha kubiri nirishikia Mungu ananiambia banamuke batapona. Deux femmes. Banamuke bawiri. Et deux sœurs sont venues. Na badada bawiri balikuya. Et ma femme était du nombre. Na bibi yangu na yale kwa mwile hesabu. Nous avons prié. Tuliomba. Quand nous sommes allés à la maison, elle m'a dit au revoir, dit chérie, je commence à mourir. Wakati tulienda kunyumba yambia mupendwa bayo mimi naanza kufa. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Parce que Abraham dit que quand Dieu vous guérit, vous devenez plus malade. Jundura mana sema wakati Mungu anakuponya unakuwa tena mgonjwa kupita. Ce soir, il est assis en forme devant moi. I mangaribi. Il est assis en forme. Acha kuikala mwafia njema. La sœur qui lève la main, elle était malade, elle était guérie à ce moment-là. Ule dada anamsha mkono uye kwa hapa. Huyu. Et ce soir. Na I mangaribi. Pendant que lui parlait. Wakati anaanza kusema. J'entends une voix qui dit que elle commence d'abord par agir. Nirishikia sauti mwana sema boba anze mbele kutenda. Que elle commence par agir. Boba anze mbele kutenda. Vous agissez d'abord. Mwe mutende mbele. Ne sois pas sérieux plus que nous les messages c'est si mujumbe ni nous l'argent on ne parle pas de mais d'abord dedans weka mbele ndani sème d'abord une semence amina panda mbele mbeko elle va germer na itachipuka et laisse moi te rappeler na acha nikukumbushe faut pas semer le maïs pour espérer les riz aibidi kupanda minji njua sema utavuna ile mchele. Sem. Panda. Et tu vas voir. Na utaona. Je suis devenu un prophète parce que je suis associé au prophète. Nakuya nabi juu ningu natumika pamoja na wanabi. À partir de maintenant que je parle. Kwanzia hapa mimi nasema. Quelque chose va se passer. Kitu kimwa kitapita. Je vais dire ceci. Mitasema mzuri hivi. Je vais dire ceci. Tasema hivi. Si tu étais pauvre. Kama ulikuwa maskini. Commence à oublier ta pauvreté. Toi-même. Wewe mwenyewe anza kusaumbea umaskini wako. Commence à oublier ta pauvreté. Anza kusaulika umaskini wako. Tu dis j'étais pauvre, c'est bien. Sema nilikuwa maskini ni mzuri. Après avoir entendu une telle prédication. Kisha kushikia mahubiri ya hivi. Je ne reste pas comme j'étais. Shita bakia vile nilikuwa. À partir de maintenant. Kuanzia hapa sasa. Dis à ton voisin. Mwambie jirani wako. Quelque chose s'est passé. Kitu kimwa kinapitikanika. Je suis carrément un riche. Mimi nakuwa tu mtajiri. Dis-lui ça, confesse. Quelque chose s'est passé. Kitu kimwa kinapita mchungaji. Je suis carrément un riche. Mimi nakuwa mtajiri. Et je vais devenir un financier. Na mimi nitakuwa kuleta makuta. Du royaume de Dieu. La ufalme ya Mungu. De ma famille. Ya jamaa yangu. De mon église. Ya kanisa yangu. Je deviens financier de mon pasteur. Mimi nakuwa wa kumsaidia mchungaji wangu. Quand on va tenir les campagnes prochaines. Wakati tutafanya mkusanyiko mashiku ya kumbele. Je vais donner les 100% de l'argent. Mimi ndio nitaleta makuta ya mingi. Laissez-moi vous dire mes frères. Mwache na mimi nduku yangu. Nous n'avons pas besoin d'argent. Atuhitaji makuta. À ce moment ici. Mwi wakati. Parce qu'il y a déjà des financiers ici. Juu kuku bantu baleta makuta hapa. Pour tout terminer les manifestations. Juu ya kuisha shereke yote. Ils sont en train de parler. Si tu comprends ce que je dis. Niku nasema lakini kama unaelewa mimi nasema. Nous sommes à la montagne. Tuko kumulima. Et afin que les béliers ne viennent. Na mbele ya ngombe onyama kuye. Donne d'abord Isaac. Leta mbele Isaac. Donne d'abord Isaac. Leta mbele Isaka. Et quand tu vas donner Isaac, wakati ta Isaka, tu ne le perdras pas. Auta mupotesha. Après le moment qu'Abraham donne Isaac, katikati ya ile wakati Ibrahim anaanza kutoa Isaka, il lève sa main pour le gorger. Analamusha mkono yake na mupanga juu amkate kichwa. Dieu lui dit. Mungu anamwambia, Abraham arrête. Abraham shimama. Je savais. Nilijuaka. Que tu allais m'obéir. Ulipasha kuniti. Comme tu as obéi. Vile uliti. Regarde derrière toi. Tazama kumkongo yako. Il y a un bélier. Kuku nyama. Qui est retenu. Ule kondoma na mfunga. Nasema hivi. Sous cette même inspiration. Chini ya upego wa moyo. Il y a un bélier.
Kuku kondolo. Il y a un travail à KCC. Kuku kukazi KCC. Il y a un travail à Kamoa. Kuku kazi Kamoa. Continue à le dire. Mendra kusema. Il y a un travail. Kuku kazi. Il t'attend. Ina kongoche. Il y a un contrat. Kuku contrat. Il t'attend. Ina kongoche. Et laisse-moi dire. Achani seme. Abraham n'a pas suivi les béliers. Abraham a sikufuata le kondolo. Mais les béliers étaient liés. Ule kondolo bari mufunga. Attendant Abraham. Eko na mchunga Ibrahim. Je veux dire. Na benda kusema. Tu ne vas pas te battre. Auta kombana jua ile kazi. Pour avoir ce travail. Tu vas kupata ile kazi. L'Éternel lui-même. Na kila mnele mwenyewe. Il l'envoie. Anaituma. Ce soir je l'ai. Na magalibi naisema. Que quelqu'un me croie comme un prophète. Mutanya mini sana bi. Ce travail. Ni kazi. Tu ne vas pas le chercher. Auta itafuta. On va t'appeler. Bata kuita. Alléluia. Alléluia. Ton téléphone sonne. Banakuta au téléphone. On t'appelle pour ce travail. Banakuta jo le kazi. On t'appelle pour ce travail. Banakuta jo le kazi. Bélier. Jo le kondo. Retenu. Arifungi wa pale. Tout ce qu'Abraham a fait. Na ila Abraham alifanya. C'est allé prendre. Ni kona kwa mchuku. C'était pas en avant. Amen na kutembe kilo. Pena kumbele. Tu ya kubeba. Fais encore un pas en avant. Fana tena mwendo moyo. Pour prendre. Tu ya kubeba. Seigneur, je veux prendre. C'est en bas pena kubeba. Je veux prendre. Mina pena kubeba. Cela m'attend. Il est là, je ramasse la chose. Na lokota kintu. Et commence à te réjouir. Anza kufurahiwa. Car cela t'a donné. Amina, amina. Bien joué. Amen. Amen. Écoute, amen. Chikieni banduku yangu. Grâce mutomba déjà prié. Grâce mutomba shakuomba. Il a déjà prêché. Acha kuhubiri. Moi je ne prêche pas. Mimi shubiri. Je vous donne un témoignage. Je suis allé dans la maison d'un frère. Il est ici, je ne vais pas citer son nom. Il venait de me choisir, pasteur. Mais quand il m'a donné la chaise, j'étais habillé en veste noire. Et la poussière est tombée sur moi. Je suis allé dans la maison. J'ai dit Seigneur. Ce frère vient de me choisir pasteur. Undu quand tu as regardé comment je reviens mes habits. On a vu les mangouangu na chafuka. Dieu me dit. Mungu anyambi. Oublie cette histoire. Saulika kile kintu. C'est déjà fait. Isha ufashika. Comme il est venu à tes côtés. Viens on pemeni yako. Il va avoir beaucoup d'argent. Atapata makuta mingi. Aujourd'hui là. Léo. Les souliers que je porte, celui qui a acheté. Ibilato mchafala yendo arinyushiadu. Je continue à dire. Mendela kusem. Je continue à dire. Mendela kusem. Quelque chose t'attend. Amina. Quelque chose t'attend. A kitu makila kongoche. Tu l'as déjà donné. Mungu ashakileta. C'est déjà donné. Ishakuletewa. Comme Abraham. Sa Ibrahim. Le bélier l'a ramassé. Ule kondana mulokota. Je dis ce soir. Mina sema ngaribu. Ramasse les millions. La kota mioni. Ramasse tes millions. La kota mioni. Ramasse tes millions. La kota mioni. Lokota mioni. Deviens riche. Kuya mutajiri. Deviens riche. Deviens riche. Kuya mutajiri. Kuya mutajiri. Et toi comme un riche. Auditoire Samu Post. Lève maintenant la main. La mouja Samu Kono. Maintenant nous appelons l'ancien de Cape Town. Il te bénit. Tunamuita muzee wa Cape Town atubariki. Pour qu'il mette ces millions là dans ta poche. Dieu aweke mioni mu poche yako. Sois prêt l'onction est là. Amina. Kuya tayari upewe kwapo. Tout peut arriver. Yote naweza kufika. Tout peut arriver. Yote naweza kufika. La guérison peut arriver. Uponyaji unaweza kufika. La richesse peut arriver. Utajiri unaweza kufika. Maintenant même. Hapa sasa. Lève la main, lève la main. Lamsha mkono, lamsha mkono. Dieu tout puissant. Toi l'invincible. Toi le tout puissant. Toi l'incomparable. Toi les lions de la tribu de Juda. Quand toi tu t'avances, Seigneur, personne ne peut faire face devant toi. Nous t'avons vu en scène depuis le premier jour de ces réunions. Et la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, Père Tout-Puissant, nous voyons la pierre angulaire qui revient comme la pierre de fête. Pourquoi faire ces réunions, Seigneur, avec la proclamation prophétique des bénédictions sur tes enfants. Pour chaque personne qui était venue ici, Seigneur, avec un besoin, qu'il soit physique, matériel,
social, financier, nous croyons, Seigneur, qu'il t'a rencontré. Dieu Tout-Puissant, que celui qui était malade soit complètement guéri au nom de Jésus. Dieu des bontés des grâces, que celui qui avait un besoin social, qui voulait acheter une maison, acheter un véhicule, acheter quoi que ce soit, pouvant changer sa vie sociale, qu'il l'obtienne au nom de Jésus-Christ. Dieu des bontés des grâces, pour celui qui avait besoin financièrement, Seigneur, d'avoir des sous pour même devenir riche. Tout simplement devenir riche pour soutenir la cause du ciel. À cause de l'onction qui a balayé la chair cette soir jusqu'à la dernière chaise, qu'il obtienne cela au nom de Jésus-Christ. Dieu de bonté et de grâce, à partir de ces jours, que les contrats suivent ceux qui en ont besoin. À partir de ce jour, Seigneur, que le travail suit celui qui en a besoin. Que le téléphone sorte et que les frères soient appelés. De la même manière que Joseph en prison a été appelé chez Pharaon. Que mon frère, que ma soeur puisse être appelé à monter des échelons jusqu'à se tenir au sommet au nom de Jésus-Christ. Que toute bénédiction matérielle, financière, sociale, physique, puisse suivre tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, qu'en sortant d'ici, Père, que la pluie des témoignages commence à tomber, Seigneur. Que la vie de chaque frère qui s'est avancé pour semer la semence financière, que sa vie soit impactée par la semence qu'il a semée au nom de Jésus-Christ. Tout-puissant Jésus, je me souviens de ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, les remplir encore, Seigneur, les oindre encore, Père. Je me souviens, Père, du pasteur Joël. Laisse, ô Dieu Tout-Puissant, que toute personne sous son ministère puisse, dès ce jour, posséder un témoignage qui amènera plusieurs âmes à toi. Tout-puissant Jésus, tu es infaillible, Père. Nous croyons, Dieu, avec fermeté, que tout ce que nous avons demandé, nous l'avons obtenu. Nous t'acclamons, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te glorifions au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, ne soyez pas pressés. Mwikae mshikui baraka kwenda. Maintenant, on va danser. Sasa. Tutapika maringa ushikui haraka kwenda. Amina, tunapasha kuona mabitumba ingine nanguka. Muntu anacheza na kwa kitumba. Wakati atualokota tubantu wakufa tutenda. Tunamuita mwana tao. Amina. Inabidi tubatambue bele bakufa. Ushikui haraka kwenda. Juu mkusanyiko wengine kuamini na maskani takuwa ni mkazi tano ya hii wiki kunanza. Aleluya. Kutambua. Chirichino kwa atama bene shani. Bahanga ni mwoku tutoluka shiluwa lukole. Je vous comprends. Walu, nous étions dans les lieux célestes. Nous nous sommes précipités rapidement sur terre. C'est pourquoi vous êtes un peu essoufflés. Alléluia. Ah.
Lucas, qui bien le goût exhorté, toi, moi, bien, tu me dis, voilà, ben, moi, ben, ou bien, ou bien, on est beaucoup tout à Lucas. Eloya! Ok, ok. Ok. Ah, je sais. Shetani, you make Dita se chef de convé, ma perdite est révolue. Dita se chef de convé, ma servitude est révolue. Yeah, 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 yeah. Moni mungu e baba Sista il Jina nete pati Jote ninemba Jote ninemba Jote ninemba Yake mokezi Ezangolu, nayo zambe golue. Ezangolu, golu, 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 nayo zambe. Chemin de la croix, grâce, grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, dans ce chemin de la croix. Alléluia! Vous voyez, nous pouvons vous l'emmener, nous vous tifoukatiens partout, dans le même minou à quatre fois.
Nokushala ni moyo Wani tatu wakuya kudima mumu ndedihe Enshire niyo Tufame minu lubu ambulushi malupa tuka kuchifuga chatatu Nana maminu wakafwa Mema kushala ni moyo Mema kuimi chibwa mumuana Mujifuja mamu Mwantu chiku mwibulu bulu kumu ila mudifu Kitu kujadile gibwa jani wanyi mamu wakae Musubu wabavyela wakulela mwana he Banga ba mamu bafulamba di mwantu chiku mideova Ekulela kumpona kulela bana kulela nyinyi ya matanga Kachika bili jisanga wala banga tamwana vela kumukela he Kari mema nini moyo kumuntu vyo sabi kumasa wanzambi Eee masa eee Yoso kumasa Yoso kumasa Wepe sumu wanyi Kibili jame nini masa Wama jikuhetu lumasa Walu ngasa ngasa wewe mwa kidila lumasa A la voix du septième ange, la trompette a sonné Je ne suis plus esclave de quoi que ce soit Je suis libre, libre Kumana bati kondochi, kingasa wa zambi Wewe mwa kidila brana manyanani, wewe wa kidili ngasa Kupetula kumama wachigondu wale mululu ngasa Woma nyipuhetu lungasa nyanani Kukugwidi ngasa Mululu ngasa ni chanza chumwa Mwana mbuntu mwewa Yume nilipa kulelewa Nasha chula kichi sababishu wa nyinguto Ase teno mkono mwa Yosukumasa, wepe usumuanyi Masha Yes, we're gonna make it.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ma prophète banana